Wesh les gamers, bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à TCG Kart Shop Simulator. J'ai découvert ça il y a 2 jours et en vrai de vrai, je l'ai essayé hier, c'est une putain de dinguerie. Vraiment, je sais pas comment j'ai pas connu ce jeu avant. Du coup, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre une nouvelle aventure tout de suite, là maintenant. Définir le nom du magasin. Viens, t'es chaud, ta frappe. 24. Slash 7. Voilà, c'est le nom le plus éclaté au monde, mais moi ça me va. Allumez le téléphone et faites le plein de paquets de cartes. Ajoutez au panier. Ça c'est bloqué encore pour l'instant. Ça aussi. On va en acheter 2, 3, moi 4. Allez, ça part sur 4. Je pense que ça va être large suffisant. Et en gros, c'est super bien parce que, en fait, on peut vraiment personnaliser l'intégralité de notre shop. Et c'est exactement ce que je vais faire parce que j'aime pas trop comment c'est organisé. Ouais, je crois que je peux pas mieux faire comme ça là. Ouais, je suis très maniaque. Moi j'aime bien quand les choses elles sont. Je ne veux pas encore ouvrir la boutique. Bah, forcément, si je propose pas de trucs à vendre. Écoutez, on va remplir au maximum. En fait, j'en ai acheté 4, mais j'avais zappé qu'en fait, un carton ça rentrait dans une moitié d'étagère. Du coup, au final, j'ai bien fait d'acheter seulement 4 boosters, enfin 4 paquets. Fixer le prix de l'article à un niveau supérieur au prix du marché pour être rentable. Finir de ranger ça déjà. Et après on verra au prix que je les achète. Que je les vends, pardon. Parce que je les ai déjà achetés. Du coup, je sais pas combien on va les mettre. On va les mettre à 3. On va les vendre 3,50. Écoutez le booster. Terminé. 3,50, ça me paraît assez correct. Hop, on ouvre au public. Moi je veux déplacer ça par contre parce que ça ne me plaît pas. Et je vais la mettre. Où c'est que je vais y mettre? Je vais y foutre là. Et l'idéal, ça serait. Voilà. Là, ça me. Bah, je suis pas trop con, moi. Chef, bon, je t'encaisse et je retourne le bureau parce que là, il est pas dans le bon sens. 28, il a pris, tu vis, hein, tu vis, toi. Voilà. Oh non, il y a un puant. Tu pues, frère, tu pues. 31,50, vas-y, envoie. J'allais lui donner je sais pas combien, là. Et la bonne soirée, monsieur. Prenez des paquets de cartes de l'étagère et ouvrez-les pour obtenir des nouvelles cartes. Bah, vas-y, hein. Tortiver, Jeunesson, Krobib, Porcifeu, Sid Dante, ok. Nimblis en ex. Mais oh, hein? Comment 614, frère? Comment je viens de paquer une carte à 600 et quelques euros? Si seulement dans la vraie vie ça pourrait être pareil. Enfin, je dis ça, mais bon, j'ai certaines cartes, ça va, en vrai. J'ai pas à me plaindre. Commune, ouais. Commune, mini-toile. Sunflower, Mufflin, ah j'aime bien. Petit booster pas très rentable, hein. Et on va ouvrir le dernier paquet. Sidan, Arbisso, ok. Première édition. Ah ok, c'est intéressant. Première édition, édition or. Et Nimblis en normal. Oulala, mais il y a du client ici, attendez. On va encaisser les clients vite fait. Combien je te dois, chef? 5, 50. Ils ont l'air dépressifs un peu les joueurs, hein. Bonne journée madame. Bonjour monsieur. Alors, on va acheter une petite table. La petite table, je vais la mettre ici. Ah là, ça me semble correct. On va recommander des cartes. En vrai, ils partent comme des petits pains. J'ai envie de faire une dinguerie pour essayer un truc. Alors, je suis pas sûr que ça marche, mais on verra ça tout de suite. Putain, il m'a acheté pour 100 € de cartes Pokémon. Hein. Enfin, de cartes Tetramon. Oh, s'il te plaît, dis-moi qu'il vient acheter des cartes, s'il te plaît. Il a vu le prix. Ça peut être rentable. Ah ouais, ok, bon, ils font vraiment le... Ils achètent pas, quoi, quand ils voient que c'est pas bon. Ok, ça me va. Et on va prendre un booster ici, et on va l'ouvrir. Tortiver, encore une fois, cookie vide. Kiron, ok. Arbisso. C'est moi, il a un problème graphique, celui-là, là. Tétron. Ouais, ça mélange entre étron et téton, quoi. Génial. Normalement, on peut voir l'album de cartes qu'on a en appuyant sur R. Celle la carte qui... Ah ouais, 605 €, ex-commune brillante. Ben, mais du coup, c'est quoi la différence, hormis esthétiquement parlant? J'en ai un autre, je crois, par là, là. 12, 16, 30, 36. 12, 16, 30, 36. Ouais, en fait, c'est juste réellement esthétique, en fait. C'est bientôt la fermeture, là, cassez-vous. Ok, qu'est-ce que c'est que ça, là? Standard coût, journée, frais de marché. Les prix des paquets de rareté aléatoire et de la carte pourraient augmenter le prix des paquets rareté aléatoire. Ok, confirmer l'événement, je comprends pas en fait. Ben, s'il y a pas au moins 60 € là, non, je dirais 40. Oh, 60 €, j'étais vraiment proche. Bah, commençons une nouvelle journée. Merde, j'ai cliqué sans, j'ai pas eu le temps de lire la suite, c'est pas grave. Hop, on ouvre le magasin, on va ouvrir un petit booster. Mini toile, Helio, Krobib, Tétron, Esmeri, Lulup, Muffin. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça gagne un peu ou... Ou pas. J'ai combien d'argent? J'ai 500. Est-ce qu'on commanderait pas une deuxième étagère? Je vais la prendre maintenant, l'étagère à cartes. Parce que je sais qu'il y a une mission où il faut vendre des cartes. Et du coup, bah, on va vendre des cartes. Je pense que ça va partir sur un petit truc comme ceci. Parfait. Bon, vu qu'on a déjà fait des clients, je propose on rouvre un booster de ici.
Est-ce qu'on peut jouer, vous pensez, avec des gens en ligne et tout ça? Parce que ça pourrait être drôle. Messieurs, dames, bonjour et merci bien. Allez, ciao. Là, je trouve que j'ai un meilleur départ que hier, parce qu'hier vraiment je découvrais le jeu et au final je faisais un peu tout et n'importe quoi. Puis au final je crois que je suis vraiment pas à plaindre, j'ai packé une carte à 600 balles quoi. Qu'est-ce que tu veux que je sois en def là à l'heure actuelle? Tintintintin. En vrai c'est bien parce que ça permet de combler mon addiction à l'ouverture de cartes Pokémon et j'ai ma voix elle est en train de partir en couille. Ok, ça va mieux. Oh, une petite coquille vide en brillant flame. J'ai l'impression qu'il y a des cartes qui sont pas finies en termes de design. Après je sais pas quel âge il a le jeu. Pour être honnête, j'ai découvert le jeu il y a... Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai découvert il y a 3 jours. Et du coup, voilà quoi. C'est... bien. c'est vraiment cool. Vraiment, hier, j'ai joué pendant, possiblement 4-5 heures et j'étais vraiment à fond dedans. Je viens d'acheter l'extension 3. Je me disais bien aussi hier, parce que en vrai, hier, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Vous êtes déjà en train de voir ce que j'ai fait hier, parce que théoriquement, c'est à peu près la même chose. Mais en gros, hier, je me suis amusé à voir si la map, elle était vraiment ouverte ou pas. Spoiler alerte, à partir du panneau 15, on est bloqué. Je pense qu'en fait, on peut agrandir jusqu'à là. Je sais pas du tout, hein, vraiment, j'en ai pas la moindre idée. C'est que des suppositions, ce que je suis en train de dire là. Mais je pense que ça peut être possible. Bonjour madame, pas un petit snap au passage ou... T'es moche ! Non, merci, c'est bon. Je veux pas de votre snap, madame. Et la bonne journée, madame. Je suis accro à l'ouverture de carte Tetramon. Kiron est du coup édition or. Ok. J'essaie de comprendre un petit peu en même temps. Si dans édition or 200 balles, mais ouais. Achète. Vous êtes plutôt team, on ouvre la lumière, ou plutôt team, on allume la lumière? Y'a rien à regarder, chef, va là-bas. Là-bas, c'est là-bas les cartes qu'on achète. Comment les gens y viennent et ils repartent? C'est quoi votre délire, là? Mettez 10 cartes sur l'étagère et fixez les prix. Allez, on va commencer par elle, qui est à 600 euros. Terminé. Ah, c'est elle à 200. Du coup, toi, tu veux combien, toi? 7 euros. Ok, à 9h, il te propose de commencer une nouvelle journée, si j'ai bien compris. Alors, nos statistiques. Niveau gagné 1, vente d'objets 287$, gain de jeu 200$, pas mal. Loyer, facture, employé, attendez, comment ça? Je peux avoir des esclaves qui travaillent pour moi, énervé. Allez, soyez les bienvenus les gens, je vous attends avec grand plaisir. Et avant l'arrivée de nos premiers clients, j'interromps quelques instants la vidéo pour vous dire que si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est rien d'obligatoire, mais ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, merci à vous et bonne continuation de vidéo. On va essayer de faire un maximum d'argent aujourd'hui pour pouvoir acheter... ça là, parce que ça part bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter l'extension ici. Allez, on part sur l'extension 2. Vendre des cartes aux clients. Il y a des cartes ici, madame. Madame, s'il vous plaît. Madame. Comment t'as pas assez d'argent? 600 euros, c'est quoi 600 euros, chef? Oulala, ça commence à... toi, si t'as pas 100 balles là-dedans, là... Elle m'a pris quoi? Oh, 200 balles, pfff, magnifique. Si on peut arnaquer les gens, bah en fait, non, regardez, je vais mettre 250. Ça me dire le mauvais montant est saisi. Allez, plus de 200 dans la poche. Oh là là là, je viens d'assister au braquage du siècle. Je l'attends avec le sourire. Bonjour madame, j'espère que votre expérience s'est bien passée. Je vois que vous avez acheté la carte la plus chère du magasin. Elle est toute contente, hein. Bah, 603 euros, s'il vous plaît. Ah non, 610. En vous souhaitant une bonne journée, madame. N'hésitez pas à revenir tout le temps. Vraiment, revenez tout le temps. Oh, ça devient compétitif, là. Je vois, il y a de plus en plus de monde autour. À tout moment, je rachète une deuxième table, hein. On commence à être pas mal en termes d'argent. Je pense que j'ai surtout eu une chatte monstrueuse en packant la carte à 200 euros et la carte à 600 euros. Réussir sans paiement. Ah, je peux pas changer mon fond d'écran, là. Il est dégueulasse. Ah, ok. Allez, vas-y, on va payer ça, comme ça, ça c'est fait. Ah, le puant, voilà, on est d'accord. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui puent, je sais pas ce que... Je sais pas, en fait, c'est censé faire quoi. On va acheter un deuxième stand. Ouais, ça me semble correct, ça me semble assez correct. J'ai plus de cartes. Non, comment j'ai plus de cartes? Vous savez quoi, on va commander les bundles. Allez, ça part, acheter. On va les mettre à 30 euros, je pense que c'est correct. Ça nous permet de nous faire un petit fois... 2,1, un truc comme ça. Donc aujourd'hui on a eu 3 clients mécontents. Objets vendus, vente de cartes, gain de jeu. C'est pas mal, on a fait une très très bonne journée. Ce qui fait que on est en profit de 4 euros. On est enfin en profit. Allez, jour 4. Open, venez. Attendez, mais c'est quoi tout ça là? On peut vendre des figurines et tout, genre. Ok. Bon, est-ce qu'on a nos premiers clients? Et oui, ça commence à arriver. Ah, il m'a commandé un petit bundle. Encore un bundle, mais ça part en vrai les bundles. J'en ai même pas ouvert. Hein. Je peux même pas les ouvrir? Ah non, je peux même pas les ouvrir. Ok, autant pour moi. Moi, je suis deg un peu. On va recommander une petite étagère.
Oh là là, mais je suis un boss. Je suis un boss. On va reproposer de la carte à la vente. C'est trop puant. Bah ouais, bah oui, bah ouais, les gens ils puent. Allez, bonne journée, chef. Ah bah non, tu décides de rester. Est-ce que je peux agrandir là? Big Reno, 500. N'hésitez pas à acheter beaucoup, beaucoup de cartes, hein, messieurs, dames. C'est laquelle qu'on avait mis à 15€ pour expérimenter? C'est elle. Je pense vraiment pas qu'elle va partir pour 15€. Oh, deux bundles, elle m'a pris. Oh putain, il faudrait que je... Ouais, non, ça va, il y en a encore. Pour l'instant, il y a personne qui a pris une commande à plus de 100€. Enfin, sans compter les deux cartes que j'ai vendues à l'une à 600 et l'autre à 200€. Mais pour l'instant, ouais, il y a personne qui a pris une commande à plus de 100€. Le max, c'est 98€. Est-ce qu'il faut que je rachète des bundles encore? Non, les boosts. On est bien pour l'instant. Il m'a fait peur. Ah, des D20 noirs. Pourquoi j'ai pas ça, moi, encore? Ah, mais ok. Mais c'est... Oh là là, mais je suis mongol, c'est pas possible. Bah écoutez, on va en acheter 16. Ça coûte 17€. Dans le prix du marché, ce que je propose, moi, je vais les vendre à 20. On verra bien si ça part. Je me fais pas une énorme marge non plus. Il faudrait qu'on fasse du stock de boosters. On en a beaucoup pour l'instant. On va acheter du bundle parce que ça part assez rapidement. Tu dors là, toi? Allez, bah vas-y, tu dors là. Bon, chef, je te souhaite une bonne nuit et à demain. Bon, aujourd'hui, on est en léger déficit de moins 189€. C'est pas bien grave. Open, et c'est parti. On attend nos premiers clients. Je sais pas si c'est vraiment juste une blague en mode juste les gens ils puent, quoi. Je sais vraiment pas. Oh non, j'ai pas ouvert le booster de fin de journée ni celui de début de journée. Ça commence à se vider, hein. Oulala, 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 j'arrive. Ciao. Suivante, 1,50€, c'est pas grave. Voilà, suivant, 90 s'il te plaît. Suivant, 38,50. Bonne journée, 24. Allez, ça part. Un booster, 3,50 s'il te plaît. Je pense que ça va commander. Une petite étagère, c'est quoi ça? Étagère à 800, je peux l'acheter elle. On va économiser pour acheter elle, c'est un coup. Ah, mais c'est une double étagère. Ok. Faut que j'embauche quelqu'un là, je crois, parce que là, ça speedrun là un peu. Ça c'est quoi? Non, je veux ça. Hop. Ah, je me suis un peu foiré. Passe pas devant, tu vois pas, je suis en train de poser un truc là. Bon, c'est pas... Si, ça va. Ça va. Ça part sur une deuxième exposition de cartes, histoire de satisfaire le plus possible de clients. C'est vraiment chiant par contre qu'il n'y ait pas une sorte de détecteur. Ok, bon, il y en a un dans un sens, l'autre dans l'autre, c'est pas bien grave. Excusez-moi les chefs, hein, j'arrive. Hein. Mais je dois refaire le stock. Je sais pas si les clients ils se barrent si je m'en occupe pas d'eux. On va savoir ça tout de suite dans tous les cas, pas l'impression. Mais après ils peuvent être peut-être mécontents et ça m'étonnerait pas. J'ai pas eu de clients aujourd'hui sur le tournoi. Du coup je pense que 20€ c'est excessif. Du coup on va réduire ça à 10€. Bonjour, 3,50€ s'il te plaît. Bon. Moi, j'avais des trucs à faire. Stock. Alors déjà, on va racheter des bundles. Dans les accessoires, je vais acheter les dés. Ajouter au panier. Et j'aurai assez, normalement. Ça, c'est des bundles. On va proposer des bundles parce que les bundles, c'est un petit peu cher. Et en vrai, les gens, ils prennent, quoi. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est les dés. On va mettre combien par étage? 8. Voilà. Si je les vendais au double du prix, vous pensez qu'ils partent? On va essayer. Enfin, au double de mon prix de touche. Et pareil pour les bundles. On va les augmenter. C'est un coup peut-être que ça part. Vous savez quoi? On va essayer. Ça, je les touche. Ouais. 20,50€. Comme ça, je me fais bien mon x2 dessus. Et vous? Je pense que les boosters, c'est très bien. Je me fais déjà un x2. Ça me semble correct. Ce que je vais faire maintenant, c'est que pour finir la vidéo, je vais ouvrir les 62 boosters. Bon. Quel fut le résultat après avoir ouvert 60 et quelques boosters? Ça fait ça. Ce que je voulais faire avant toute chose, c'est trier. Ok, du coup, elles se suivent bien. Donc celle-là, c'est la 0. C'est la 0,2, la 0,3. Je crois que c'est une page par monstre. Et page suivante, c'est où? Non. Ah, alors attendez, non. C'est peut-être une double page par type de monstre. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Les cartes ici sont considérées comme communes. Ah ouais, comme communes. Toi. Commune.
Ok. Bon bref, c'était tout ce que je voulais voir. On va les mettre en vente et je crois... Voilà, je crois que c'est la carte la plus chère que j'ai eue. Je l'ai eue à 62 euros. Je vais la vendre à 65. 50. Ça part sur 50. Dans tous les cas, c'est déjà un énorme profit. Déjà, si j'arrive à vendre les deux là, ça nous rembourse la truc qu'on a acheté. Toi, 45. Allez, terminé. Plus, possiblement, elle. En plus, je l'ai en deux fois. On va la mettre à 30. Si je vends les deux, du coup, je peux être pas mal. Et après, bah, j'ai eu ceux-là, là, qui valent un petit billet. Ouais, 24 euros, 21. Non, en vrai, ça va, j'ai eu pas mal de bons petits trucs. Voilà, on va pas tous les faire, hein. Là, je crois que, ouais, à partir de là, ça descend très vite en termes de prix. Mais c'est pas mal. Bah, écoutez, les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé jouer à ce jeu. Franchement, c'est un régal d'avoir son petit shop... TCG et de vendre ces petites cartes. Viens pécho ta frappe, 24 sur 7, n'hésitez pas à venir. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter la vidéo. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à vous abonner. On vise les 500 abonnés avant la fin de l'année. Et voilà, je compte sur vous pour qu'on arrive à cette étape de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.